n'a demandé Gerda s'il t'a présenté nous pour lui dire nous qui est-ce lié. Non, comme c'est Gerda François, moi c'est haïtien, ma vie est dominicaine, moi c'est mon cap. Ok. Et n'a demandé Farah pour Farah présenter lui, sûrement que Farah a grand pile bagaille pour lui dire parce que Farah sont entrepreneurs liés qui vivent dans la République dominicaine. Qui gagne un salon de massage, li, salon manicure, pétiqueur. Si jamais un haïtien qui vient en vacances en République Dominicaine, que ça fait faire plaisir pour le recevoir nous, pour libérer nos services, manicure, pétiqueur, facial, sinon de faire facial, massage, il veut dire, nous souhaitons que tout le monde, dès que nous venons en République Dominicaine, que nous passons, venons, c'est Farah. C'est Farah, est-ce qu'on peut présenter vous, bah, le public là, qui est le compte qui est, qui Farah? Non, pas Pierre Farah. Moi, je suis à Haïti, je suis levé à Haïti. Je fais tout pour au prince. Et je suis levé dans un café. Bon, à vrai dire, je suis capable. Moi, je suis ici en l'année 2016. Moi, j'ai gagné aux environs 3 ans à vivre ici. Et ça fait 3 ans que vous avez vécu en République Dominicaine. Avant ça, vous avez vécu en Haïti. Qui parcours pendant que vous avez vécu en Haïti, juste avant que vous veniez en République Dominicaine, Farah? Moi, je viens ensemble. Pour commencer, moi, je suis ensemble avec maman et puis papa adoptif. Moi, je suis à l'école pour Port-au-Prince. Et puis, moi, je suis à l'école pour Port-au-Prince. Et puis après, je suis appris un métier comme si d'être professionnel. Parfois, je travaille, parfois, je ne pas grave, parce que ce n'est pas aussi facile. Et puis après, bon, maman me juge bon. Elle me dit, quand je gagne ma tante, l'autre monde qui a fait des sciences, est-ce que je me sens à l'aise si je viens vivre de l'autre côté? Est-ce que je suis capable d'accepter les gens viennent hier pour vivre là-dedans? Et puis après, je ne suis pas capable de trouver. Et puis, je suis ici. Ok, en quelle année vous rentrez en République Dominicaine, Farah? Dans le mois d'avril 2016. Donc, on rentre ici en avril 2016, ça fait 3 ans. En 3 ans, les gardes, vous faites des pas gérants, ces grands pas gérants que vous faites dans la République Dominicaine. En 3 ans, vous avez une place d'affaires, vous avez un salon, vous avez un diplôme, vous avez un certificat. Mais comment trouver vie que l'on quitte Haïti ou entre ou vin République Dominicaine? Comment trouver vie ou qu'on y a en République Dominicaine? C'est pas une vie qui était aussi facile parce que qu'on est ou quitte un côté ou t'élever la dalle et puis t'as vivre ensemble avec maman ou frère ou soeur et puis vivre avec une cousine et puis ou que t'en connais ni pas un genre ni pas situation pas tellement trop facile. Après, moi, arrivé à adapter avec paysan, coutumier, janvier. Jusqu'à ce que je arrive avec 3 ans là-dedans. 3 ans là-dedans. Est-ce que vous allez à l'école depuis que vous venez en République Dominicaine? Là, je suis venu ici. Et moi, j'ai acheté un travail dans une zone touriste qui est Sosua, Puerto Plata. J'ai dit qu'il faut parler anglais et puis il faut parler espagnol tout pour travailler. Et. Par rapport à avec intelligence, je suis que le temps que j'ai fait étudier et terminer l'école classique, j'ai une idée quand même de langue anglaise. Tout dépend des gens qui sont capables de venir, de aller dans l'école, de apprendre l'anglais. Moi-même, je suis allé à l'école anglaise, Puerto Plata. Je suis fait 3 mois. Avant que je suis allé dans le cours, je suis allé dans le travail. Mais par rapport à moi, c'est compliqué. Je travaille dans un spa. C'est chez moi que je fais manicure, pellicule là-dedans. Parce que je n'ai pas de gens qui ont besoin de monde, qui travaillent compétences, qui ont besoin de travail. Je me présente le document, je accepte les branches, chez moi je fais manicure et pellicule. Et puis après, intelligence, je dis que qui j'en ai, je dis ok. Et ma papa nous fait thérapie qui c'est massage. Tout dépend des gens que vous apprenez. Moi garantis on va faire passer un séminaire avec l'école et puis pour être capable et récupérer certificat thérapie ou massage. Et puis
c'est comme ça moi arrivé passer séminaire là j'en dis au bon au cas travail on a bien sorti à faire massage manicure pédicure moi fait 2 ans de travail ensemble avec après 2 ans après 2 ans moi t'ai retourné à Haïti moi t'ai allé visiter ma maman moi t'ai allé visiter ma maman depuis 8 mois j'ai 8 mois ce domaine l'aime retourner me continuer mes travail moi t'ai bon on va quoi faire de 2 semaines vacances dans 2 ans moi retourné à Haïti moi t'ai allé faire une expérience un investissement dans le pays ça veut dire que j'étais avec un copain me dit bon maman mais ça va pas ça en fait moi fait 6 mois on regarde qui j'en coblan qui j'en business a fonctionné sim comme des cas ça si me met comme ça dehors est-ce que me ca sauver tu maintenant 1 an dans 2 ans parce que mon business prend vraiment bon prend moi très bon comme passer aux environs 2 ans et puis moi fait 6 mois après 6 mois moi tourner ce domaine l'aime tourner ce domaine moi essayer de travailler encore les parents parce que okay. Moi déjà ça va m'interrompre une minute c'est me comprendre bien ou dis-moi que tu es venu ce domaine ou passer en couple d'année ce domaine ou ramasser ou économiser au travail ou ramasser encore et pour retourner back dans pays qui est Haïti l'arrivée en Haïti ou investir comme ça mais qui raison qui fait qu'on comme ça ou obligé retourner back en Haïti que retourner back Saint-Domingue que comme on perdu non seulement moi c'est haïtien m'a vivre en République Dominicaine avec passeport et visa et surtout j'en fonctionnement dominicain avec haïtien c'est pas envie que me tellement trop aimer nous toujours mais si on en Dominique fait mon bagage malaisien là il te mettait 3h du matin m'a tourné dans pays m'a rien problème mettre dormir sous frontière le matin sous frontière ouvert Haïti droite parce que c'est là me lever c'est là me sortir on te juge bon me dit ah avant me font bagaille en République Dominicaine bon me font bagaille dans pays même qu'elle petit quand même m'a bon kembe dans main toujours OK puis ça pas marché ça marché c'est moi qui j'ai commencé avec ma femme connait que j'ai système pays quand même. Ok, qui veut dire business ça est toujours en Haïti, maman a géré le toujours. Maman a géré la papa. Ok, business ça, c'est à partir de la République Dominicaine qui ont économisé, qui ont entré en Haïti, qui font bagaille pour famille, là, maman a papa la géré. Oui. Ok. Après 6 mois, si on fait Haïti, ou retourner en République Dominicaine, qui ça qui passe? L'aime tourner, je vais essayer de chercher le travail, je vais joindre. Et puis, moi, je vais. Et comme vis-à-vis avec. Travail moi de première fois avec Sam Juin non il pas aussi moi même il pas tellement trop répondre avec besoin okay. Et puis me fait Sam capable moi de gagner une économie me fait Sam capable mon connait travail mais quand j'ai créé les tout ma travail à domicile et puis jusqu'à ce que m'arrive ouvert un business en République Dominicaine Faga est-ce que c'est facile pour un haïtien vivre en République Dominicaine? Il n'y a pas tellement trop facile à 100%. Ça qui fait ça? Comme déjà dit ça. Quand on est dans le pays, bon, moi même en Haïti, c'est chaque 1 an, 6 mois au pays. On a venu quand on est, le plus souvent, on vient vivre ici en République Dominicaine. On vient, je pense, après 15 jours, pour tout descendre. Li pa moun nan pa ba ou menm figi an surtout si le suspect kòm ki nan moun lan swa l pral fini ou sinon ou pa gen ankòr kelkò on pou chèche travay et travay pa osi fasil tou surtout nan zon kòm nan zon mèt di son zon rasisti moun pa ske rasis ay se pou jwenn travay fò kou gen sèlò la ki se kat elektoral jodi nan peyi nou an et lò fin jwenn ni tou gen moun nan ki kon fin ba ou kon pral gen 3 mwa li kanpo ou maga yore de likidasyon li kanpo pou pa likide ou paske de pou ke te pase etap 3 mwa ne pot pa la ki pase nan travay la si li kanpo li gon kont pou l'pe ou okay. E pi tou on dedomajman si l'van bizis nan tou li gon dedomajman pou l'fe ou tou le pi souvan toujou kon kanpo 2 mwa d'avans avans sa pase fò kou tan moun kom si li kompetan ou kon sa wafè ou mwen moun nan bagay problem ni wè moun sa kapap fè mantre kom. Et puis après, parce que moi, je n'ai pas de travail pour suivre, comme tu as dit ça, pour être à sueldo, pour un prix exact pour le monde dans ce domaine. Mais plus que je travaille sur le pourcentage. Moi, je connais 9 jours,
Moi quand entre 2 3 4 clients, quand il a même pas de fond prix global à mon au moins, il va dire la paye. Petit quand on paye travail c'est 4500 ou sinon 5000 pesos. Dernier prix comme quand on t'a 8000 pesos. 8000 pesos 10000 pesos. Et pourtant moi même moi entre plus comme que ça. Moi je t'arrête chaque quinzaine dans même dans 10000 pesos que c'est $200. Le mois, chaque quinzaine, et puis je rentre plus comme café, plus comme ça, je fais pas de travail à mon sous-sol, donc plus que je travaille sur le pourcentage. Ok, vous sont travailleurs autonomes. Vous aimez travailler, oui, autonome, parce que même nous travaillons sur le pourcentage, et si vous plus aimez travailler sur le pourcentage, vous bien faire affaire pour. Oui. Ok, Farahou dit que la République Dominicaine, quand on y est en pile raciste. Tandis que moi-même, je me promène là dans la République Dominicaine, pour moi-même, je suis tous ces noirs. Il y a un peu de peau plus foncée, un peu de peau plus pâle. Qui ça que vous faites qui fait que vous décrivez comme un peuple raciste? Premièrement, Dominique va connaître bien avec Haïtien sans intérêt. Depuis Dominique, on n'a pas de travail, ou sinon on n'a pas posté dans le bagage. Il va bien avoir comme ça. Il va bien avoir comme si on n'a pas gagné, ou sinon Dominique remet l'intérêt en pile. Pas tout non, il y a un pile dominicain que la majorité que moi reconnaître sinon moi parler parce que côté m'a fréquenté moi fréquenté ensemble avec eux depuis on haïtien a évolué plus que comme si on petit gens tout menté pour pas aimer haïtien à 100% parce que haïtien là on vient c'est meilleur travail. Dominicain, même si on a mis un Dominicain, on apprend à travailler. On apprend à travailler. Ok. Ok. Vous dites-moi que Dominicain n'est pas tellement aimé travailler, nous même haïtiens, nous aimons travailler. Pour moi-même, ça t'a donné une valeur qui est liée pour nous, une valeur d'achat que Dominicain est capable d'apprécier, que le fait que nous sommes un peuple travaillant, ou même nous sommes peut-être. Un petit peu paresseux, que vous parlez de travail, mais malgré ça, on dit que y a fait raciste ensemble avec nous. Mais raciste, c'est qui genre de raciste qui est lié? Est-ce que c'est raciste parce qu'on est noir, ou c'est raciste parce qu'il est blanc, ou bien son raciste social qui est lié? Son raciste social, non, c'est comme on est capable de dire, pas social, non, son raciste en forme financière. Qui veut dire pas de cob, c'est malheureux, qui veut dire dans n'importe pays qu'on pas de cob, pas bon, on parle non. Je parle avec Dominicain, j'ai des amis Dominicains, j'ai des amis Haïtiens. Parfois, les Dominicains fait comme s'ils réagissent mal avec les Haïtiens, c'est par rapport à l'image haïtienne projetée de nous. Parce que les Dominicains qui disent Haïtiens passent, et le Saïd de ça. Ça veut dire Haïtiens ou pas bon. Les gens qui ont Haïtiens, qui ont origine, ils font dans la terre, papa dit espagnol, maman dit Haïtien. Haïtien. Mais il pas comme des cas ça. C'est toute nation qui bail bon monde qui bail mauvais monde. Dominique bail bon monde, il bail mauvais monde. Haïti bail bon monde, il bail mauvais monde. Américain, il bail bon monde, mauvais monde. Africain, canadien, tout pays ça, il bail bon monde et mauvais monde. OK. Pas tellement trop été basé sur comme si raciste yo. OK. Mais ou même ou rentrer dans pays ici, ou évoluer très bien, ou travaille, ou à l'école. Ou même maintenant là, ou un salon de coiffure, ou un salon de massage, ou tout le bagage a pas bien pour vous. Mais qui sont à faire pour aider l'autre haïtien qui derrière qui a rentré dans la République Dominicaine ou bien haïtien qui a vivre en République Dominicaine ou même d'abord? Parce que moi, j'ai au moins 3-4 employés qui travaillent ensemble avec vous. Qui sont capables de faire pour aider les gens qui viennent à Paul en République Dominicaine pour nous créer une plus belle image? By Dominicain yo à partir ça cap vivre République Dominicaine yo parce que n'a pas obligé d'oublier Haïti parce que Haïti c'est pays nous nous aimons l'empile mais situation qui en haïtien dit pas bon mais moi même petit moi qui a vivre en Amérique image ça on compte cacher yo pour pas montrer li
pas voulu regarder télévision si me connais pas ba une nouvelle sur Haïti m'obligé tasser pour me parler parce que ça vient faire que ti moun nan automatiquement il vient gon préjugé contre peuple haïtien parce que par rapport à image avec ça que n'a montré mais dans le fond Haïti pas con et pas ça qui Haïti nous sommes un peuple qui gagne pile qualité nous sommes un peuple qui très intelligent nous sommes un peuple qui pas fait travail nous sommes un peuple qui aime moun nous sommes un peuple qui aime partager parce que on haïtien et si on dominique à en Haïti n'a pas ouvri porte nous très grand pour nous dire rentrer nous qu'on prend soin moun nous qu'on prend ca moun mais nous retrouver dans nos pays connien qui pays voisin nous qui censé n'a vivre sur même l'île avec voisin mais comment on même capable aider jeune cap immigré sont en Haïti cap rentrer en République Dominicaine avec jeune cap vivre en République Dominicaine yo qui haïtien qui déjà là sur place qui sont qu'a fait de plus pour yo ou bien tout simplement qui conseille pour capable ah OK oui dans du ma gouvernement pas dans gouvernement haïtien n'a venir sur question ça concernant les jeunes cap vivre Haïti qui ta même vivre en République Dominicaine moi je comprends avec haïtien et haïtien il était à vivre en Haïti le fait que il terminé études lui il était pas prendre pas connaître chez les mères chez les choses dans le lycée et il fait faculté dans la faculté si par exemple il a manqué de un petit travail soit dans l'action civique parce que moi toujours mettre accent sur ça travail action civique parce que moi grande dame une demoiselle était le fait qu'elle était étudiante ça c'est infirmière en question de il m'a quitté en mal comme ça non il m'a quitté sur et m'a connu sur le café là ici et puis il était dans notre travail action civique t'es dit moi même dans quoi notre travail action civique m'a campé dans la rue en drapeau non même pour traverser monde parce que nous avons terminé études moi t'es dit moi t'es date et m'a pas capable faire bail comme ça il pas prendre travail là il trouvait que trop haut niveau trop haut pour faire travail moi je voyais ça avec haïtien et pourvu que la vignette en République Dominicaine a fait ça qui pis mal que ça pour faire comme pour vivre oui moi pas tellement trop comme si mais bail haïtien qui vit Haïti jeune quitte pays venir en République Dominicaine ou sinon aller dans l'autre pays et puis puis aller tout puis oublier pays en puis pas retourner moi n'est capable voyager il est capable comment si peut tout changer pays tout mais gen moun nan depuis le film quitter Haïti li tout pa haïtien mande bon Dieu tay yon papier même li tout pa parler créole ou pa kèt bonne vie haïtien mwen di vie moun pa konn vie nou obligé di ça nan ici k ap fè nou ben lò wè lwa wode nan créole li repon nou en espagnol li tout moun te nan ifò nan entiende et pourtant ki bal fèt Haïti l fèt Haïti l grandi ça son premier bagage ke m pa renmè ni pour moun k ap viv ici et moun tout k ap choisi kite Haïti pou aller dans l'autre pays parce que si on tout ki se haïtien nous déplacer nous kite Haïti nous vini ici nous aller dans l'autre pays tout nous pa chan tourner et blanc ça nous dit ki stupide là sinon nous connaît yo pa renmè nous jan odi et pour sans raison mul la tire Haïti yo investi yo mette business y a fait comme madame a petit qui a viv dans l'autre pays comme ça vous puis tu as pas vivre dans le pays et pas même quitter quel et ou même quitter pays après soit quitter le pays en tourner pour que vous connaissez situation pays je l'ai mais pour qui raison OK Farah si moi comprendre bien ou dit non que nos gros problèmes nous même en tant qu'haïtien nos gros préjugés entre nous qui veut dire si haïtien était étudié mais la lu l'elle vient ici il pas nécessairement voulait parler avec haïtien qui t'a travaillé dans ferme en Haïti en il pensait le supérieur lui-même mais comment on ca faire pour nous ta changer situation ça qui ça nous capable faire qui conseil qu'on capable bailler jeune yo pour dire OK pour capable dire jeune là les nous venir en République Dominicaine nous tous ces haïtiens en nous mettre tête nous ensemble pour nous vivre ensemble en nous yon essayer comprendre l'autre pas dire pour niveau de classe côté de Haïti non moi dit les mon Haïti c'est premier geste qui va rentrer que on aime pays ou voulez pays avancer mon Haïti le fait que il était à l'école grand côté aussi notre jeune maman n'a pas qui t'a pas avancé lui si je veux notre travail et tout travail ça pas de qualité pas sembler il pas faire et puis les vinances de domaine la fait ça pis mal OK me comprends ça veut dire Dominique a gain business il prend petit petit travail avec lui paye petit 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 travail avec haïtien
Là, pour exemple, mon maman Haïti qui a un bar, ça, ou sinon qui a un business quelconque. Oui, ou bien la vente manger. La vente manger. Le fait que tu as un nièce, son neveu, sinon cousine, ou sinon petit café, tu as des voisines à côté de ça, et tu as l'école, tu as un moment montrer le business bonheur. Mais quand tu comprends, non? Ça a déjà son préjugé lié. Oui. Pourtant, moi-même, je travaille avec Dominique, je fais deux ans travailler avec les signes là, et je petit clic que tu travailles avec elle. Oui, moi ça, moi blanc yo fait ça, blanc li c'est fermier lié, petite li vinn travaille sous champ avec, blanc li c'est mécanicien, petite li a travaille avec. Haïtien pas faire. Oui. Et maman non, quand papa non, quand qui c'est haïtien, il peut pas accepter tout. Li dit oh non, c'est ak ça moi fait pour faire quelque chose, m'pa ta mon vinn faire. C'est vrai que m'pa ta mon vinn faire, vinn non mesdames même niveau avec, mais pour l'autre bala qui ka fait encore. Oui. Ou qu'à aller plus loin que maman. Oui. Mais pendant qu'on dit ça, je vais prendre un exemple qui est très sympa. Bon, est-ce qu'on connaît Haïti, nous on parle souvent de sandales bata? Bata, son sandales lié, oui, c'est bata. Un sandale. Oui, que bata, c'est un sandale que on, qui fait, qui vend en ville. Est-ce qu'on connaît en Haïti, en général, cordonnier, c'est un métier que personne ne pouvait faire avant? Oui. Mais lui-même, monsieur, ça, lui-même, il était décidé de faire. Il c'est un homme qui est plus riche dans le monde, qui possède plus l'argent, puis ils sont cordonniers. Qui veut dire, pas vraiment son métier, pas vraiment. C'est toujours en tête monde que ça a passé comme on pensait. Parce que je suis allé avec une maman qui a vendu manger dans un cafou, puis je décide de vendre manger, puis je m'ouvre un gros McDonald's, ou bien je m'ouvre un gros restaurant, quand je m'a desservi tout le monde international. Qui veut dire, c'est pas vraiment pas un seul métier, c'est comment qu'on va pas aborder le métier là, parce que si on cordonnier qui est devenu l'homme le plus riche au monde, qui veut dire, pas vraiment un seul métier. Et déjà, pour ce business, c'est une porte de développement pour pays. Okay. C'est une porte de développement au monde qui peut aider l'avancer. Ça, c'est moi, par contre. Oui, ça, c'est pour tout le monde lié. Ah, ok. Oui, pour tout le monde. Ok, Farah, est-ce que c'est facile pour un Haïtien faire business en République Dominicaine? Ce n'est pas aussi facile. D'abord, ici, on a fait des dépôts. On a deux dépôts pour bail et puis local paye chaque mois. Et puis on va installer les business en tout monde. On a un investissement quand même. Ce n'est pas facile pour vous bailler les dépôts. On taxe son pays, parfois dans le local là, mais Plaza, quand tout font propre contrat, laisse le contrat quand tout entre les deux pays. Et tout pays là, donc tout pays taxe là, donc. Mais parfois tout les con gameplay. C'est au même système de tout pays qui paye. C'est au même qui vous paye. Oui. Ok. Vous dites et parfois tout policier, qu'on est surtout c'est dans un touriste ou bien, c'est tout lieu qu'on a déjà emmerdé au numéro. Tout le passé toujours comme si pour la bon bagaille dans main tout comme si tu pas faut perdre existe de pas mettre comme si on verrait nos mais ou des business on va perdre ça aussi c'est comme toi pour ça et tout. OK, c'est un peu comme en Haïti, il faut toujours mon petit monnaie ou agresser mais la police. Oui. Qui veut dire même ici on fait même bagaille dans tout obligé qui veut dire c'est sous l'île là au complet problème ça y est que pour toujours agresser mais la police pour pas un problème. OK. Qui est le plus gros problème ou trouver que les Haïtiens ont traversé dans le pays de la République Dominicaine? Exactement, même. Ma présentation, c'est parce que je suis en présentation. Ok. Et moi, je suis en mois de mai. Je travaille là. Et puis, comme moi qui a travaillé, mon employé, il est venu à l'aide de l'homme. Et même, il n'est pas fini tellement trop correct. Il est un peu mal côté. Non, mais après, je suis en mode. Je suis en mode de parler pour moi, parler pour moi, c'est le cas. Je suis arrivé à arrêter. Ok. Je présente le papier de travail et le passeport. Je vais appeler mes deux. Je suis arrivé à Plaza pour faire un business. Et mettre Plaza, vous voyez, la sécurité est venue. Libérer. L'insécurité est venue, je vais arrêter. Le travail à traverser pour venir prendre valise, pour venir prendre un badge, pour mettre un badge maintenant là. Les potes battent pour moi et tout arrêté. Ok, mais pour quelle raison que vous arrêtez? Pas connu si c'est libre, pas fini tellement trop connu. Parce que, Dieu, pour qui ça arrête? Que y a pas dit pour qui ça, pour pas qui ça, moi là pour demain matin. Faut nuit dans une minute, non, même dans ma chaise escalier.
pour juste demain si Dieu veut. Demain si Dieu veut, l'immigration vient, quand il y a même, quand il y a ici, on me dit que je suis crasé. On me dit qu'on a nous pral, dit pour que ça nous arrête. Et pour ça, moi, je, même j'en ai fait, de moi qui devait faire interview, qui était tellement en colère tout, qui était prêt à me parler ensemble avec moi. Et puis, je dis bon. Parfois, on a marché avec des documents, on a dit pas vrai, parce que si nous arrêtons, nous disons que c'est l'immigration, qu'il y a des immigrants qui n'est pas légal. Ça veut dire que. Bon, c'est nous avons un téléphone, non, mais nous, comme si on. En façon pour nous vérifier, validité papier. Validité papier, on ne peut pas raison pour nous faire une nuit et moins investir dans le pays. Ok. Comme ça, tout le Canadien, le Allemand, le Italien qui investit ici. Pour que ça aille, pour jouer ça, il était dans la rue tout, il était dans le business. Pour qu'il ne soit pas arrêté tout, il était dans le document. Mm-hmm. Pour que ça aille chez moi ici, on fait ça. Ok. Pour juste qu'à demi parce que ça aille me présenter papier, pour que je le libère. Déjà, ça sont. Dis pas. Ok. Malgré toute implication, malgré ou investir dans le pays, ou travailler dans le pays, ou mettre emploi dans le pays, malgré ça, vous trouvez que vous n'êtes pas bien traité ou toujours? Mm-hmm. Je vais me traiter toujours. Malgré son femme d'affaires? Non. Ok. Si vous avez un message que vous avez passé par rapport à la situation qu'on a vécu, qui sont dit, qui sont trouvés les arrêtés, vous mettez, vous minotez pendant 48 heures, presque 24 heures, vous minotez dans l'escalier. Est-ce que vous avez pris soin pendant la prison? Non. Moi j'étais tellement comme des gars ça passe tout bien même crier me crier après me sortir pour me goumer à mon yo yo bon courant yo bon courant yo même comme des gars ça bourade me quoi te comme un policier qui te bourade me sont été griffé et puis dans demi c'est enterré l'ambassade Santiago ambassade haïtien qui Santiago et te recevoir et te monter pour me déplacer dans le pays mais si me fait premier pas, moi relé, moi envoyer photo, moi parler ensemble avec nous. Parce que nous sommes capables de descendre et de contrôler la situation. Parce que si le gouvernement dominicain a accepté pour installer l'ambassade haïtienne dans Santiago, vous entendez? Oui. Parce que nous sommes capables de déplacer, descendre en bas pour contrôler la situation, pour voir si c'est vrai. Mais l'investigation pour nous passer. Parce que les gens ont arrêté. Mon agent les résidences ici sinon mon agent c'est dollars il a arrêté pour demain si Dieu veut. Gens qui viennent là, gens mon tout qui viennent parler pour mon arrêté ça sont pompés. Il fait ça pour abus. Pour abus comme il y a pas abusé. Il y a pas abusé. Regardez nos points. Il va garder nos points. Ok. Ça veut dire son situation qui a ici à vivre ici en République Dominicaine. Même nous avons des papiers, même nous avons des résidences malgré que nous avons un permis que nous doit arrêter dans le pays, nous doit pi. La police doit décider n'importe qui l'est, il arrête ou il met en prison sans qu'il n'y ait pas d'accusation contre tout. Non. Tout ça, ça fait maintenant que je marche là. Tant que hier soir, je suis déplacé là. Qu'est-ce que c'est? D'aller? Bon, je suis quitté. Quand je me dis, je suis saisi pour traverser la rue. Je me dis, je suis saisi, non, pas faire un compte. Je me saisi pour tout sauter là. Je me dis, je suis en travail, je suis en visitement, côté visitement. Je me dis, je voulais venir mal montrer. Et puis même côté, mon père il parlait que la même clé. L'elle où elle me prend le mal et puis il parle la même clé. Et puis on s'est quitté mal et même pas gagné une uniforme. Soit en police qui était en série. Oh, ça veut dire qu'ils ont fait check-up tout le temps. Tout le temps. Check-up qu'ils ont fait toute la journée. Arrêtez les gens et puis mettez dans la prison. Je vais vous dire que vous avez fait. Oui. Ou te mettre des documents dans la prison. Les gens viennent parler pour vous. L'elle vous mettez deux, mettez deux. Ok, qui veut dire sans mandat, sans rien, sans que pas gagne en plein compte ou sous moto là, ou sinon sous passant, ou à marcher là, ou à conduire la police là, Yo prend ti mon dans la même méché au ranger le bail fia et puis méché avec valise travail dans le bail habiter au minute là avec ça sont des spectacles. OK. Raison que yo arrêté là c'est justement parce que il est haïtien. Pour abuser, pour abus, ma connait si c'est obligation ba tout les on veut elle fait pas tout dans la rue, pas capable tourner sans monde. OK. Ça capable problème si tout connait gon vieux colonel qui là, il va pas se connait même ti mon là.
débousser haïtien. Mais est-ce qu'elle fait même bagaille là avec jeune dominicain ou est-ce que dominicain ou parce que gen dominicain noir, gen dominicain qui gen peau plus pâle, comment yo fait connait que lui même ni c'est dominicain, lui même ni c'est haïtien? Non, qu'on y a peut-être qu'on gen un peu haïtien rouge. OK. Depuis yo arrête yo juste mande $7. OK. Sous bay $7, vous venez dans toute chance yo là go, yo c'est dominicain. Avec le dominicain tout. Si mon nan nan mauvais bagage, mon nan sont délinquante, mon nan yo mais vous êtes yo si yo là arrête dominicain, là arrivé, on monde vient chercher dominicain là gué. OK. Mais dépend des gens arrête dominicain de ça mon affaire, si mon nan pas un monde qui nan mauvais bagage, qui nan vend tout, si mon nan pas un mauvais. OK, non nous rete dans ça n'a parlé. Ça n'a parlé, on a parlé que un citoyen haïtien qui vient dans République dominicaine, ni pas dans crime, ni pas dans vol, ni pas battre monde, son travail que lié, il son travail la marcher dans la rue, yo arrêté, puis yo prendre yo mettre dans prison. On ka comprendre yon haïtien qui rentre ici, la vend drogue ou bien on devait la faire ça qui pas ça que yo arrêté, c'est tout à fait normal. Des pour que pas marcher droit selon la loi, yo gen droit arrêter. Mais pour yon mère de famille ou bien un père de famille qui son travail qui pas gain rapport, il pas jouer, pas fait bruit dans la rien, que ou rete le fait que il montre au papier lycée haïtien que ou arrêter nous prendre ou mettre dans prison. C'est pas un bon bagage que lié. Est-ce que d'après vous même vous trouvez que haïtien a subi un pile préjugé ici dans la République dominicaine? Oui. N'a subi un pile préjugé. OK. Est-ce que bon la caillou c'est même bagage tout? Avec voisin la caillou. Avant de me baisser, j'aimerais être dans mes temps ici. J'ai toujours été dans mes temps dominicains et je n'ai pas de temps. Par contre, c'est comme si ce qui est un préjugé, sinon on va être quelconque. Ok. J'aimerais être dans mes temps ici. Mais est-ce qu'on implique dans la société que vous vivez? Je me dis, bon, vous impliquez parce que vous avez un salon, vous avez des bagages, vous avez bougé. Je me dis, impliquez-vous, est-ce que vous avez des amis, ou social, ou un club social, ou une activité, soit à l'église, ou bien. Je ne sais pas si je qui avec Dominique yo, ou bien on fait des activités ensemble avec Dominique yo, ou bien tout le monde est dans le coin. Haïtien est dans le coin haïtien, Dominique est dans le coin dominicain, Haïtien pas ami dominicain, Dominique pas ami haïtien. C'est ça qui a passé ici? Ce n'est pas 100% comme ça, parce que moi, j'ai un ancien boss, j'ai toujours été amis. Je suis dit, dame ça moi-même nous sont petites filles et c'est maman depuis moi bon salutation nous dominicains tout le monde parle ensemble avec eux nous toujours été amis mais parfois tout n'est pas aussi facile parce que ou même on peut pas accepter mon avec idéalis gens la vie gens penser sinon c'est mon raciste n'est pas d'importe parce que des bon monde tout côté des bon monde des mauvais monde. OK. Est-ce que vous trouvez que c'est en terre dominicaine, la dominicanie c'est en terre que haïtien t'a doit immigrer? Vis-à-vis avec Jean, situation pays d'ailleurs, nous capable comme tu as dit, une bonne famille, moi qui vivre ici, une famille, nous capable retirer, nous capable conseiller sur Haïti venir ici, parce que c'est nettement différent. Surtout pour un exemple qui est clair, comme si l'offre sur le pays dominicain pour parler Haïti, de pour arriver au fil qui te frontière ici dominicaine. Depuis que je suis venu à la frontière, je suis venu à la frontière. Ok. Je n'ai pas besoin de plus de petits problèmes encore. Je pense comprendre. Mais je ne pas comme si jeune, mon gens qui à Haïti, et à 100% quitter le pays, quitter le pays, quitter le pays, quitter le pays. Je ne suis pas tellement trop bas. Je suis venu à la frontière. Après deux, je suis venu à la. OK, si moi comprendre. Parce que j'aime la caille changer. OK. Si moi comprendre bien Darlene qui veut dire un haïtien qui a vive qui vient en République dominicaine l'a fait, il fait face à deux situations que il paraît mais et Farah. Qui veut dire deux situations qu'il paraît mais premièrement, il quitter pays parce que pays n'est pas bon, parce que pas de travail, parce que gain insécurité dans pays hein. C'est raison ça yo que dans deux raisons ça yo qui fait que haïtien a quitté. Troisième là? Yes. Pays en salle. Haïti va être ensemble. Nous va être ensemble ici. Oui. OK. Dominique met ton business là.
Comme des cas tout ça. Haïtien dit toujours qu'on va aimer métier. Haïtien dit al bien mais pas doit très al bien parce que sinon pas doit très bien. Et je dis al bien. Dominicain dit al bien même qu'on vient plus bien parce qu'il pas nuit à fond. Haïtien pas comme ça. Dominicain dit j'en peine. Et pas seulement Dominicain, on a son peine parce que moi parle ensemble avec Canadien. Moi parle ensemble avec Américain, moi parle avec monde qui sont comme si moi qu'on parle avec Jamaïcain tout. Il y a des gens qui sont haïtiens, comme c'est un petit printemps pour nous. Il y a quelqu'un qui est un salopé, nous ne sommes pas propres. Un pile dominicain. Un pile dominicain. L'ambition de nous. Oui. Ok. Mais, yo. Bon, l'autre problème que je retrouve, que je parle avec d'autres gens, je dis que le plus gros problème que je retrouve ici, c'est que les Dominicains, des fois, ils sont jaloux que les Haïtiens rentrent ici en République Dominicaine, les Haïtiens travaillent. C'est une de mes rencontres à plusieurs gens, je dis que les Haïtiens sont très travaillants. Les gens viennent ici, c'est le job que nous venons chercher. Et les gens viennent ici, deux, trois mouvements, nous avons des machines, nous avons des motocyclettes, nous avons fonctionné, nous avons des cailles, nous avons fonctionné normal. Li yo dim que bon c'est est-ce que ça c'est un problème qui cause que dominicain de certains d'entre yo les nous parler nous pas veut dire dominicain yo mais on série de monde on série de côté on série de endroit que n'a vivre on série de bagaille qui pas ça parce que c'est pas tout dominicain qui comme ça dominicain pas aimer le haïtien à progresser nous sommes haïtiens mais quand le dominicain tout cap dire chinois ça presque cap y a même nous net. Ni chinois ni haïtien, yo presque pour République là mais nous net. Dominique il y a problème avec ça. Mais gwen faut que faire la caillou, yo pas faire. Dominique c'est jour fait là c'est l'île compter. Je dis elle vit bien de rester elle mourir. Tu pas aucun problème avec ça. OK. Et puis tout Dominique va remettre travail tout. OK. Qui va remettre travail. Donc il y a des problèmes ça ensemble avec nous. Il y a des problèmes ça on pas remettre travail, yo préfère yo organiser ça là, yo veiller là par Haïti. Donc voilà, ils se sont levés, leurs parents y ont entré. Même qu'ils étaient connus, ils ont mouru après. Car ces cailles-là, ils ont volé la galère du pays, ils ont été contaminés. Donc, ils ont volé ça dans eux, mais ils n'ont pas pu travailler. Peut-être qu'on n'a pas une Dominique qui a travaillé dessus, mais autour de fois, ils n'ont pas fait ça. Nous, je n'ai pas de l'autre qui était ici en vente, qui a dit ça, et moi, je suis venu. Dominique n'a pas aimé le travail. Les vies de travail là, ensemble avec moi, le plus souvent, il y a environ 6 Dominiques qui passent dans le monde. On va me parler ensemble avec vous dans le pays où ka gagne ça me gagne mais mettez une pas travailler ensemble avec vous pas égoïste pas travailler c'est comme on va faire pas travailler avec vous tout gagne ensemble avec vous peut pas les haïtiens avancer et pour le résultat donc pas vouloir bosser égoïste oui donc égoïste en plus ça mais haïtien des problèmes partout. OK. Mais Daline, sous mon message que tu as lancé à tout haïtien qui vivent dans le monde, que ce soit en République Dominicaine ou bien en Haïti ou bien au Canada ou bien aux États-Unis, qui sont à dire comme message? Qui sont à dire pour qui ka message ça, on t'a même que son message ou bail que qui apporte un changement sur tout haïtien. Qui veut dire parce que la parole c'est le bon force que lié. Qui veut dire bon mot qu'a dit que tout haïtien qui tande lio ça ka font influence, ça ka change un bagage. Qui message vous t'a porté pour haïtien en tant qu'un haïtien qui évoluer en République Dominicaine. Et premier conseil que m'ta banne m'ta mande moun ka utilise réseaux sociaux mal, suspendre projet de image mal de Haïti. Avant on bagay passé ou t'a prend téléphone pour t'a filmer, pour t'a mettre sur internet, et ton pote chez quoi et tout parce que des bagay qu'on a poué sur réseaux sociaux, m'dit ça pas bien droit là parce que lors mon Dominicain accident fait là dans zone moi là ce soir accident fait cabarete ou après montre aux machines en face dans le plus souvent difficile pour montrer comme seulement que famille mon pas ta présenter avant montre photo mon non y a montre photo c'est dans la mon document mon et haïtien si deux haïtiens mal quelque passé ouais on prend le filmer on prend photo ouais on poste tout ça c'est mauvaise image mon non la palette d'affaires politiques. Il prend côté qui pisse en Haïti, il met la sale pays, la vente pays à mal. Les consacres, l'autre monde peut entrer à visiter pays. Et il y a ici tout cap vivre dans la République Dominicaine qui dit le Dominique qui vit, qui dit à Dominicain, pays ça va, on peut garder la donne, il parle de pays à mal en pile. Il y a ici dans l'autre pays tout qui dit l'autre monde que pays à pas bon, il va toujours mal la donne, tout
ça aussi c'était mauvais image que la poche des pays qui pas bon. Qui pas bon. T'as aimé que pour ici on changer mentalité ça. Même genre touristes sorti là ici comme sorti États-Unis, comme sorti Canada, comme sorti notre pays qui a visité ça. Même pour ça peut passer pas comme ça ici. Bon, d'après ça me comprendre c'est à cause de l'insécurité qui dans pays. Dans le pays rien. Ça veut dire tout ça pas bon. Tout ça fait partie pour ça. Tu penses que OK darling, juste avant nous partir, si tu envoies un message par le gouvernement République Dominicaine pour situation haïtienne Fara et d'accord, c'est vrai, juste avant que nous partir, si tu envoies un message par le gouvernement République Dominicaine par rapport à situation haïtienne qui vivent en République Dominicaine, qui ça t'a dit message ça, qui ça t'a dit? Parlez. Oui, un bon message pour t'arrêter. Vous avez le gouvernement de la République Dominicaine par rapport à la situation haïtienne qui vivent dans la République Dominicaine. Non, mais vous avez un changement. Vous parlez de changement ou vous voulez que nous restions? Vous avez un changement pour payer. Pour payer, non, là le courant est ici. La vivre ici, oui. Qui sont à dire au gouvernement pour le faire pour nous? Qui sont trouvés que nous pas gagné, que nous pas fait pour nous? Non, mais pour le gouvernement, mais t'as aidé tout à l'heure, c'est que OK, qui veut tout arrêter que le gouvernement régularise la situation haïtienne sans papier qui vivent dans la République Dominicaine. Oui. Et d'après vous-même, vous pensez ça apporter une grosse amélioration dans la situation que nous vivons dans la République Dominicaine? Oui. OK. Est-ce qu'il y a deux trois monde que nous avons salué ou bien un message que nous avons passé par rapport à ce que ça a fait, ça a été un mot que nous remettons à nous-mêmes, nous devons dire tout ça, nous voulons parler ou faire publicité pour. Salon là, dis moun ki Canada yo, moun ki aux États-Unis ou bien moun ki en France, ki lè vini République Dominicaine, ki bon pou yo vini, ki côté pou yo vini. Exactement, business là, li situé li sur soi. OK. Zami, proche haïtien k'ap viv dans l'autre pays, ki konn avitye vin visiter République Dominicaine et business là situé li sur soi. Numéro local là c'est 12, numéro de téléphone c'est 829-789-2819. C'est le numéro de téléphone là, nous faisons manicure, pédicure, nous faisons massage. Surtout, nous avons fait 3-4 mois de travail, nous fatiguons, nous devons venir, nous payons une heure de temps, sinon demi heure de massage. Nous faisons facial tout, dépilation, tout ça. OK, nous ça service à domicile tout. Nous avons capable pour ça. Si nous n'avons pas déplacer depuis le village, il est capable de reler sur numéro 1 et puis nous déplacer. Nous avons pas de service. Oui. Mais comment ça nous en reler si par exemple nous n'avons pas passé, il t'attend de nous hein? Et non salon c'est massage collectivity spa. OK, massage collectivity spa qui dans Sosoua. On a demandé que tout haïtien qui vit aux États-Unis, Canada, qui vit à travers le monde, que les nous descendent dans la République Dominicaine, nous venons en vacances, passez au Fara. Puerto Plata. Non, prenons zone Puerto Plata. Qui veut dire, pas oublier, passez au Fara si nous avons besoin de petit massage, nous avons besoin de faire zone pied, zone menou, épilation, et tout ça que nous avons besoin. Facial. Qui veut dire, passez au Fara si un jeune haïtien qui peut évoluer dans la République Dominicaine. Nous connaissons haïtien mais en pile charge pas lourd, l'union fait la force. Me référer nos places là parce que moi-même moi Fara bay très bon service, c'est très propre. Mandez nous pour nous venir supporter Fara. Fara, il nous bon dernier mot que vous avez aimé ajouter. Le gars c'est gars là bay bon massage. Yes. Massage relax. Massage strong et puis nous gain Dalil, nous gain Diana. Bon bagay. OK, nous faisons massage pour tout le monde. Qui veut dire garçon, oui, tout garçon, fille comme garçon. Si vous voulez massage, viens prendre massage. Viens prendre massage. Mais merci mesdames, ça me fait plaisir que moi vienne rencontrer nous, puis moi fier de nous.
parce que nous c'est haïtienne n'a bien évolué dans la République dominicaine malgré toutes difficultés que nous joignent que yo capable essayer faire nous mais nous a très bien fonctionné que bon Dieu bénisse alors ça que bon Dieu bénisse nous tous. Merci. Et même tout, merci beaucoup. Merci. Merci pour visite là. Merci monsieur Cocoyolé. Vivo en la República Dominicana. Por favor, ahora mismo me le den un like al suscriptor Bambou Panché Channel. Jennifer, Jennifer, nous sommes tendés à dire équipe belle petite parole là. Dis-nous, qui soit abdi là? Moi, je suis Marie Mouro. Abonnez, like et partagez Channel là. Non, oh, c'est ça ce bout là. Ah, et bien, je vais tout profiter à tourner avec Chanel Bambou Panché. Oh, je suis bien content. Ça t'a fait un réel plaisir pour nous. Mouah.